me souvenais pas qu'on y allait si vite. C'est parti. Faut savoir que les chaînes ont changé, hein. Entre le moment où on les voyait de loin et là, c'est pas du tout les mêmes chaînes. Hein. Sachez-le, notez-le, hein. Elles étaient visuellement pas comme ça, vu du balcon à droite. Hein. Et on pouvait, de la vue de là-bas, on ne pouvait pas marcher dessus. J'avais bien analysé, hein, parce que je savais très bien qu'on allait marcher dessus après. Donc lol, quoi. Lol. Tout simplement. J'aime l'humour. Les coursiers du temps. Interagir avec ça, mais on sait déjà ce qui va se passer. Il faut la clé du palefrenier. Oh! Oh, c'est culotté. Alors là, je suis désolé, mais... Je comprends pas trop pourquoi avoir ajouté ce timing, quoi. C'est un peu inutile, hein. Super. Super la caméra. Oh oui. Oui, oui, oui. Le fameux fantôme de Sparte. Alors, ce qu'ils disent est vrai. Thésée, j'ai vu bien des fous tenter leur chance. Mais je dois avouer que tu es celui qui me surprend le plus en demandant une audience avec les trois sœurs du destin. Et je n'aurais jamais cru que tu deviendrais le serviteur des sœurs du destin. Je sers et je protège les trois sœurs du destin pour la gloire du Père des cieux, Zeus. L'ère de Zeus touche désormais à sa fin. Si je comprends bien, tu veux que les sœurs du destin tuent Zeus. Je te rappelle que tu ne possèdes même plus le pouvoir des dieux, mon cher Kratos. Je doute que tu sois capable de me tuer, moi, et tu voudrais t'en prendre au roi de l'Olympe. Laisse-moi passer, et j'épargnerai ta vie, vieillard. Malheureusement, je crois que cette décision ne dépend pas de toi. Approche. Nous allons enfin savoir qui de nous deux peut se targuer d'être le plus redoutable guerrier de toute la Grèce. Fais le malin, fais le malin. Moi, je trouve qu'il s'excite un peu. T'excite pas, mon gars. Wow, wow, j'avais réussi pourtant. Non, c'est du pur trolling. Non, je vous le dis, j'avais réussi. Et à un moment donné, je n'accepte plus les mensonges comme ça. Ok. Parfois, je me prends des coups à peu près volontairement. Même si je devrais tous les parer au final. En vrai. Mais non, 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 c'est bon, c'est bugué, j'ai compris. Thésée, sale enculé, va. Voilà, tiens. Ah, j'ai pré-shot, du coup. C'est bugué, on va te le faire à l'avance. Le problème, c'est que tu peux pas savoir vraiment de quel côté ça va partir, donc. Donc c'est un peu à chier.
Il faut le piéger comme les anciens Midgar. Ah non, c'est téléguidé maintenant. Ça va, tranquille. Ça fait plaisir, Thésée, quoi. En vrai, j'ai l'impression que je me fais un peu défoncer. C'est peut-être plus dur que prévu. Non, je voulais... Oh là là... Oh, c'est pas possible. Et je peux pas l'esquiver. Si je me pars, ça, je me prends le dégât. Ok, il faut absolument que je puisse me régénérer parce que là, il m'a quand même touché en plus ce filou. Mais c'est quoi ces roulades de merde? Mais c'est imperdable, ça me casse les couilles, sans déconner, je recommence tout alors que ça pue la merde ce combat, ça a chié quoi. Mec, je roule dessus là, il peut rien faire normalement là. Là il part tous les coups donc toute ma rage elle aura servi à rien quoi, super. D'ailleurs ça aurait été bien plus utile quoi. Voilà, ça s'est encore bugué évidemment hein. Bah ouais hein. Ah, il y a plein de bugs dans ce jeu là comparé aux autres. Bon, le plus bugué, c'est le 1, celui de 2005, mais... Bah, tous les God of War officiels, c'est de la merde, en fait. Et 1, 2, 3, ça pue la merde. Il y a des bugs de... Dans les 3, il y a des bugs de QTE. C'est terrible. C'est que j'ai jamais fait l'arc, hein. Ça l'a fait tout seul. Ouais, je dis ça comme ça. Et j'ai pris shot. Je crois qu'en fait, on le sent dans quel sens il faut y aller par rapport au mouvement. En fait, comment il nous attrape, ça se sent, je crois. Ça m'énerve quand il va trop vite. Mais je crois qu'au début il va vite donc pour faire qu'esquiver et après un par un. Mais eux. Oh putain, ils m'énervent. Le problème tout à l'heure, c'est que j'ai pas pu faire ça parce que c'est nul là. Donc là, ça part mieux, là c'est gagné. Ah, plus ça régène tout, d'accord. On est pas à ça non plus. Quoi? C'est-à-dire que le mec, s'il a décidé, je peux rien faire, il m'éclate. C'est lui qui décide. Cette attaque elle est immonde. Je suis déçu parce que c'est facile quoi, normalement je leur roule dessus. Donc c'est chiant de perdre des trucs, tout ça parce qu'il y a un ensemble de bugs horribles qui s'enchaînent et tout. Alors qu'en vrai, normalement il n'y a pas de problème quoi. Il s'est fait soulever là. Hein.
Bizarre que ça me donne pas d'orbe rouge d'ailleurs, hein, le Minotaur. Je pense que c'est parce que c'est un boss spécial. Hein. Bonsoir. Oh mon dieu. La scène, ma scène préférée arrive. Oh oui, la meilleure scène de tous les temps. Ce que j'ai envie de faire à tous les gens que je vois dans la rue. Et voilà, terminé. Ce fut court mais très intense. Lot de boss 1, vous avez la clé du palefrenier. Je crois qu'il ne peut pas test. Attendez, il y a un secret là ou pas? Oh là là, j'aime pas trop beaucoup ça, il y a forcément un secret. Regardez-moi ça, je suis un pro. Pas du tout. Pas du tout. Je crois que par contre, si ça arrive, je crois que sur certains chevaux ou certains côtés ou je sais pas quoi, je crois qu'il y a des choses sur ces trucs-là. Peut-être de l'autre côté si je peux y aller. J'ai vu qu'il y avait une échelle, donc peut-être que j'arriverai par là-bas aussi. Ah là, il doit y avoir quelque chose. Ce serait plus logique de ce côté-là, surtout que c'est le bord totalement extérieur de tous les chevaux. Voilà, bien sûr. Très bien.